Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre là avec nous. Moi, dis-nous merci parce que nous avons suivi, merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous. Je dis à la bonne, dis-nous non. Je vais préparer une petite salade de manioc pour nous. Okay? Pour me faire salade de manioc, là, même dans un plateau là, moi bien nettoyé, moi on ne jamais bien passé l'huile là-dedans. Parce que manioc là, j'aime bien le cuire, je ne vais pas mettre le papier parce que j'ai besoin de mon petit coloration. Une salade de manioc, mais chaud qui m'a fait. Qu'on a là, mettez manioc là dans. Mettez manioc là, moi te coupé dans petit morceau. Et puis moi, je vais mettre un petit sel. D'abord, mettez un petit d'huile partout côté de poil de. Il va le cuire là. Je vais mettre un petit sel. Qu'on a là, moi, mettez foie à 350. Dès qu'elle finit de monter, qu'on a mis le cuit, qu'on a là, on va continuer la procédure. Pour le moment, il va le cuire. Pendant que le manioc là a grillé, okay, qu'on a là, on va faire salade là avec quoi? Crevettes, harengs, poivrons, et puis oignons, et puis avec mon petit garniture que je vais mettre là-dedans. Okay? Mais poivron, ça m'a là, c'est un poivron qui est semi-sucré. Qu'on a lui-même, c'est grillé, moi le grillé, ok? Voilà, ouais. Qu'on a pour le moment, ma partie, moi le cuit crevette là. Pour me faire crevette là, moi mettre un petit l'huile chaud. Une fois que l'huile est bien chaud, moi déposer crevette là-dedans. Moi mettre un petit l'ail là-dedans. Moi mettre un petit poivre. C'est très important pour que nous ne pas mettre sel dans la crevette là, ok? Parce que la crevette là, généralement ici, il y a déjà quasiment un sel déjà, ok? Une fois que nous gardons nos crevettes là, qui est un petit genre bien coloré, presque cuit, moi mettez harengs là-dedans. Tout ça, on m'a fait là, c'est une façon de mettre. C'est quoi que je mets en valeur ici? Je mets juste un petit manioc. Qui n'est pas une grande chose, mais n'a pas de valeur avec un bon crevette. Et puis nous voyons les gens là bien belles aussi. Là. Ok, là maintenant c'est prêt. Qu'on a moins fermé pour moi. Je vais chercher l'autre petit bain, je vais le mettre encore, mais qu'on a mis dans la salade. Qu'on a mis le temps, manioc là après, et puis qu'on a pour mélanger pour me faire une bonne salade pour nous. Après yon 10 minutes de cuisson, on va virer lui. C'est prêt là, ok? Ouais, c'est bien cuit. C'est parfait. On a la même plaque ça, on va le conserver. Ok, qu'on a la fin cuite bien cuite là, qu'on a la moins juste verser lui. Bon. C'est parfait ça, ok? Qu'on a qui ça va le faire là? La même poêle là, la même plateau, je vais conserver, regarde, ça c'est pour avoir, je vais le mettre là-dedans, je vais le mettre le griller. Pour me griller, là, je ne vais pas même mettre un peu de bain, je vais juste mettre un petit huile, qu'on a, je vais le mettre le griller. Qu'on est là, tout à fait prêt là pour me faire salade. Mes poivrons, là, je vais mettre boucané, je vais sortir du boucané, nous allons, ok, qu'on a là, mettre petit poivron. Comme ça, même si vous êtes gros comme ça, si vous même voulez, ou qu'à mettre la moitié, mais on met quitter le gros, c'est ça parce que son poivron qui fait même pour croquer entier. Qu'on a là, moi mettez poivron. Hein? Moi mettez toute crevette là avec petit harengs. Et puis moi mettez oignon rouge, ok? Oignon rouge c'est vraiment pour salade. Hein? Et puis moi mettez ciboulette et puis avec échalote verte. Pabli, son salade chaude qu'elle est. Hein? Qu'on a, moi, mettez l'huile d'olive. Moi, mettez un petit jus de citron. Et voilà, qu'on a la moi, brasser. Moi, pas mettez poivre, ok? Moi, mettez poivre, moi, mettez sel pour qui ça? Parce que nous gagnons un soir qui gagne sel là-dedans. Et voilà. Waouh. C'est ça que m'a dit, non? Waouh. Là, c'est vraiment bon, là. On petit salade comme ça là, au bail chaud, on met dans l'assiette, on a là. Même si tu as un petit manioc là, qui est un petit genre
il paraît sec. C'est sûr que manioc c'est sec. Ouais, imaginons, manioc là c'est sec, mais quand l'huile ça va rentrer là-dedans, une petite sorte de petit vinaigre tout fait, rentrer là-dedans, ça va être excellent, ok? Parce qu'il va absorber l'huile là tout. Waouh! Non seulement c'est beau, mais c'est bon aussi là. C'est très très bon parce que petit poivron ça nous là les gontigus sucrés là-dedans. Waouh! Et voilà. Ça c'est une belle salade, hein? Qu'on a là, on va le présenter pour nous là. Nous mettons le nami en table nous pour nous bailler si nous manger. Et puis regardez ça, on va le faire. On va le mettre pour nous. Et voilà. Waouh. Sous un ça me fait ou bien nous partager et puis like vidéo à vous entendez. Pas oublier de faire ça. Merci. Pour contenir là. Waouh. C'est beau. Et puis, regarde-moi ça. Juste comme ça, là, c'est déjà en décoration. Mais moi-même, je vais mettre une petite décoration sous lui encore. Nous allons voir qui ça va venir avec vous. Quand on est là, je vais venir avec quelques petits avocats. Mes avocats là, ok? Là, nous faisons qu'on a fait nous mettre jus citron là-dedans. Ok? Là, nous faisons, nous couper, nous retirer, nous mettre jus citron sinon la vie noire. Ok? Pour ne pas noircir, nous mettons, nous faisons tremper, immerger. Nous immerger dans le jus de citron. Ok? Waouh! C'est tout qu'on met en valeur là. C'est qui a fait la caille nous là. Nous possédons tout ça là. Pas grand rien là. Et caille blanc pour nous prendre là. Regarde-moi ça. Cuisine créole en valeur. C'est ça que j'ai fait la cuisine créole. C'est toutefois où on met. Et puis on met fait ça là caillou pour faire moins. Ok? Manioc là là, nous mangeons l'autre façon là. C'est pas seulement bouilli et puis d'accès là. Voilà. Waouh! C'est beau ça, non? C'est très très beau, non? Un petit jus de citron ça qui retient à mon tout la gueule sous. Waouh! Souli encore. Et voilà. Waouh, Johnny. Venez, ça c'est une salade. Une salade de manioc. Hein? Nous mangeons ça chaud, nous mettons la mi-temps table avec nos petites crevettes. Si nous avons une crevette, nous allons prendre l'autre poisson. Si nous avons un poisson, nous allons prendre. Mais toujours prendre une viande qui est capable de résister, là, qui ferme, qui peut craser. Okay? Nous allons faire avec. Déchiquetaille taille de poulet aussi là ça veut dire prends poulet à poitrine de poulet cuisse de poulet bien déchiqueté et puis qu'on a là nous allons mettre l'autre assaisonnement nous allons mettre et puis ça au poulet là ok là toujours bon aussi waouh c'est bon c'était une salade de manioc hein c'était JFL cuisine créole Jean-Fédor lundi votre chef à la maison merci.